Hey, salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. En ce moment, je fais beaucoup d'achats. Donc là, ça va être un court achat, on va dire, mais que des pièces de gros bangers, quoi. Là, on n'est pas sur des petits Blu-ray par-ci, par-là. Non, là, j'ai que des trucs de ouf. Voilà, et à la fin, effectivement, il y a un petit Graal, il y a un petit truc qui arrive comme ça, des fagots dans les réseaux sociaux. Je l'ai un peu spoilé. Voilà, pour certaines personnes, ils savent de quoi je parle, mais bon, pour les autres. Voilà, au moins vous aurez la surprise en fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout. Un gros banger. Voilà, on va aller commencer vraiment au plus simple. J'avais fait une précommande à Fnac du vinyle de The Weeknd. Voilà, le dernier After Hours, un album que j'ai adoré. Pourtant, au premier abord, il est vrai, à la première écoute, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment aimé, vraiment apprécié. Et là, pour le coup, bon, bah écoutez, j'ai la claque dans la gueule. Ça fait plusieurs mois que je l'ai dans ma playlist. J'adore ce CD quoi, enfin il est magnifique quoi. Un magnifique album, très représentatif de The Weeknd. À chaque fois il part toujours dans un truc un peu différent et tout, et ça sonne très vintage, ça me plaît énormément. Après j'ai refait un achat avec K-Store, voilà, donc Patrick, que vous connaissez, voilà, très bonne boutique en ligne, voilà, je trouve qu'il s'améliore, voilà, comme je l'avais dit l'autre fois, je ne vais pas me répéter. Je lui ai pris deux pièces, et il m'a offert du coup une pièce qu'il m'avait promis, donc voilà, je vous la présente juste après. Le steelbook de A Star Is Born. Voilà, ça faisait longtemps que je le voulais. Certes, c'est pas une édition prestige, voilà, mais je sais que c'est une édition, voilà, que je recherchais, donc je suis très content de pouvoir la rentrer. L'ayant raté quand il était sorti, j'aurais dû le précommander, mais au moins ça me fait plaisir, je peux le rentrer. On part sur l'édition, que j'ai pas de bêtises, Xavi, voilà, de Space Jam. Donc là, pour le coup, il est vraiment tout neuf, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir le rentrer, voilà, pour un film que j'adore énormément. Je vais pouvoir me débarrasser du coup de mon Blu-ray amarré. Tout simple, l'emmener en cache. Et voilà. Et bah, du coup, ça me permet d'avoir un joli steelbook comme ça fait vraiment plaisir. Je pense que je le parsemerai de quelques pop, manière de compléter, faire un petit truc avec Space Jam. Pourquoi pas. Et du coup, sur le cadeau du coup qu'il m'a offert, qu'il m'avait promis. Donc du coup, je suis très content de pouvoir la rentrer cette pièce-là. Ça fait longtemps que qui sait que je la veux. Jurassic Park 2, voilà, donc je suis très content. C'était un laserdisc que je voulais absolument pour compléter dans ma collection. Bah écoutez, c'est chose faite. Voilà, il me l'a offerte dans le colis. Donc merci beaucoup Patrick. Voilà, donc K-Store, très bonne boutique. Allez voir directement. Voilà, et je pense qu'il y a un peu pour tous les goûts, donc pourquoi pas. J'ai analysé aussi deux trois petits trucs, peut-être que on se retentera encore hein, sur ton site. Voilà, mais écoutez, allez-y, voilà, il y a des trucs très sympas quoi, et merci encore pour le cadeau. Effectivement, cette vidéo-là, bon bah, elle était vraiment pour autre chose, quelque chose que je recherchais depuis très longtemps. Bah, d'ailleurs, je vais faire une petite dédicace, voilà, à la personne qui me l'a vendue, Toy Hunter. Voilà, je sais que tu voulais une dédicace, je te la fais. Merci beaucoup pour l'envoi de cet article-là. Ça faisait très longtemps que je recherchais cette pièce-là et je pense que voilà, vous savez un peu de quoi je parle si vous me connaissez un minimum. C'était mon Graal que je voulais le plus. Pour vous dire, j'ai même plus de Graal, mais c'était vraiment le truc que je recherchais le plus, plus, plus. Alors je pense que si je vous présente ça, vous allez comprendre après pour la suite. Voilà. Ce que je suis assez très content en tout cas dans cette édition-là, c'est qu'il y a la série télévisée dedans. Voilà, donc je vais pas l'ouvrir pour pas le déchirer là parce que hop, c'est pas pratique. Je sais pas si on voit. Ouais, voilà, là on voit série télévisée et tout. Donc voilà, il y a la série télévisée. Je suis très content. Je m'attendais pas qu'il y avait la série télévisée dedans. Ça fait vraiment plaisir. Écoutez, je vais pas vous faire languir. On part directement sur le Graal. Donc oui, voilà, effectivement. Le fameux Graal, le Cornelius, le bus, celui-là que je recherchais énormément avec la vraie chevelure et tout. Malheureusement, il n'était pas dans sa boîte comme mes deux autres que j'ai pu avoir. C'est pas très grave. Si un jour j'arrive à l'upgrader, à l'avoir en meilleur état, pourquoi pas. Mais écoutez, ça fait quand même très plaisir de pouvoir rentrer Cornelius. Ça me permet de compléter ma collection de bustes. Voilà, donc vraiment, on n'est pas sur un truc tout claqué au sol. Voilà, on est quand même sur une belle pièce. Très bien détaillé avec vraiment vrais vêtements et tout, c'est vraiment bien foutu quoi, les poils, la chevelure et tout, c'est impressionnant quoi, c'est vraiment trois bustes très 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 réalistes, donc ça fait vraiment vraiment plaisir de pouvoir la rentrer. Et du coup bah, j'ai plus de Graal, donc maintenant je me suis dit pourquoi pas rentrer des steelbooks de plus en plus prestige, on va dire. J'en ai que deux, j'ai The Greatest Showman de Mentalab et La Planète des Singes Suprématie en Film Arena. Donc je suis quand même très content de les avoir rentrés. Et je pense qu'au fur et à mesure, je veux commencer les steelbooks un peu stylés, quoi. Gros gros steelbook.
Il faut bien trouver des Graals à un moment donné. C'est toujours des objectifs, je trouve, dans des collections. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Je suis très content de l'avoir rentrée. Je m'attendais pas quand c'est venu comme ça. Bam! Tu vois, des fois, les choses arrivent comme ça. Voilà, moi, bon, ça fait plaisir. En 2 ans, ouais, en 2 ans, 2 ans et demi, j'ai pu choper les 3 bustes. Ça fait vraiment plaisir. Donc, bah, écoutez, ce fut très court, c'est vrai. Mais là, on peut pas dire. Je vous ai présenté quand même vraiment du lourd. Et j'espère que ça vous a plu. Et écoutez, j'y travaille sur ce que j'ai dit sur ma FAQ, j'y travaille forcément. Pour l'instant, j'ai un petit peu de retard, comme d'habitude, on va dire, quelque part. Mais bon, je vous présente toujours une vidéo par semaine, donc quelque part, je suis dans mes temps. Et ça me permet, moi, de travailler de mon côté, parce qu'en ce moment, avec le travail et tout, c'est pas très évident. Voilà, comme vous savez, je travaille dans un magasin de jouets, voilà, j'avais pas dit où et tout, mais je vous ai dit que je travaillais dans un magasin de jouets. Forcément, c'est la période où on travaille pas mal. Mais les choses arrivent au fur et à mesure. Voilà, il faudra juste être un tout petit peu patient. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt et pour le prochain épisode. Le prochain épisode, évidemment. Évidemment.